concentration se lit sur tous les visages. 9e étape, Boromo, Kudougou. Chaque équipe veut pouvoir s'illustrer avant l'ultime étape et l'arrivée à Ouagadougou. La fatigue est palpable, mais il ne faut surtout pas se relâcher. C'est parti pour 153 km et les Gabonais qui n'ont pas vraiment marqué le tour depuis le début tentent de s'illustrer par le biais de Ephrem Ekobena qui attaque d'emblée. Mais cette offensive est un feu de paille car il est rapidement repris par le reste du peloton. Groupés, les coureurs ne semblent pas vouloir casser le rythme, même si la course est plutôt rapide. Derrière, le maillot jaune fait l'effort, il ne doit surtout pas se laisser distancer. Comme à l'accoutumée, ce sont les Algériens qui attaquent. Abdelmalek Madani accélère, mais il est très vite que l'autre hein, par Abdelaziz Nikiema. Quatre hommes sont dans le groupe de tête, deux Algériens, un Burkinabé et un Français de l'équipe de la Sarthe. Quelques kilomètres plus tard, Camerounais, Martinien Tega, l'homme le plus dangereux pour les Burkinabés. Mais personne ne lâche, le train est très très rapide. Et si devant, ça va vite, derrière, on stoppe tout. Crevaison du Français de l'équipe de la Sarthe, Vincent Frelon. Il faut dire que 9 jours de course, ça laisse des traces. Voilà, le matériel souffre aussi sur ces routes, ça souffre beaucoup aussi. C'est une course très nerveuse depuis le début et il n'y a pas vraiment d'équipe capable de prendre la course en main, donc c'est toujours nerveux, mais là depuis 2-3 jours, ça se calme un peu. Je pense que tous les coureurs sont un peu fatigués. Les organismes sont fatigués. Et donc ça se calme et on va rentrer gentiment maintenant sur Ouaga. C'est bon, allez, hop. On y va. Vincent Frelon repart. Et devant, sa bataille, le peloton est étiré. Nalhuine Godin de l'équipe de la Sarthe mène le groupe de tête. Derrière, le peloton roule groupé. Les échappés comptent désormais 30 secondes d'avance. Tranquillement, les trois hommes de tête se relaient. Ilboudot, Benoît et Godin se rapprochent du premier point chaud à Tita. Et le duel se joue entre l'Algérien Mohamed Reda Benoît et le Burkinabé Haruna Ilboudo. Nous avons le 35-21. Et c'est Benoît qui l'emporte. Depuis, les trois hommes de tête ont été repris. Le peloton roule très vite. Il est étiré. À l'approche du deuxième point chaud, sept hommes se détachent, dont le leader des sprints intermédiaires, l'Algérien Abdelaziz Anaché, qui l'emporte. Les Burkinabés, comme depuis le début, tentent de maîtriser la course afin de soutenir notamment le maillot jaune. Au dernier sprint intermédiaire à Poa, Abdelaziz Anaché est encore là et frappe un deuxième coup. Le peloton reprend ses droits, tous groupés. Jusqu'à cette accélération de Abdelmalek Madani qui veut engranger une 5e victoire pour l'Algérie durant cette 25e édition.
mais il va être rattrapé par 4 hommes. Ils sont maintenant 5 devant. Ils sont maintenant 5 devant. Mais encore plus loin devant, un homme a réalisé le hold-up. Bourque Kuiper a pris la poudre d'escampette. Le Néerlandais est seul au monde. 30 secondes le séparent de ses poursuivants, mais il ne lui reste plus que 5 km avant l'arrivée. Bourque Kuiper y croit. Il roule vers la victoire. Seul au monde, il atteint la ligne d'arrivée. Le peloton, quant à lui, arrive à moins de 30 secondes du vainqueur d'étape. Première victoire d'étape pour la Hollande. Grâce à la presse nationale et internationale, qu'elle soit écrite par les télévisuels. Mais la hiérarchie n'est pas bousculée. Zidoueba reste en jaune. Voici la photo de famille qui va faire le tour du monde. Elle s'appelle.